surtout, Sébastien, on est d'accord. Le fait que tu descendes en Ligue 2, tu le joues, c'est pas que ce soir. Non. C'est pas que sur le match de ce soir. Mais c'est franchement, il y a un truc, c'est que il y a ce qui s'est passé l'été dernier sein du club. C'est la clé. Enfin, après, faut dire ce qui est la question de l'entraîneur, enfin des deux entraîneurs. Pas important ça. Bah bien sûr que c'est important. Comment tu peux dire que c'est pas important? Non, parce que le truc capital, le point capital, tu l'as soulevé. C'est la gestion du club. Mais voilà, mais ça en fait partie. Je suis désolé. Oui, mais ça c'est une conséquence, Nico. Le vrai mal, c'est que ce club, en fait, qui était relativement très bien organisé auparavant, avec Xavier Graslen, avec un organigramme qui était clair. Voilà. À partir du moment où tout a sauté, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ça donne lieu à n'importe quoi. Et on a beaucoup d'affection pour Roland, il y a pas de problème. On a beaucoup d'affection pour Roland, il n'y a pas de problème, mais cet attelage de coach bicéphale et tout, mais c'est une conséquence. Mais c'était voué à avoir ni queue ni tête. T'as contredit pour te conforter. Mais non, pas du tout. J'ai remis dedans. Vas-y, Sébastien. Le match était contre Reims, c'est un 3-2 à domicile. Il y a juste un truc aussi, c'est que Caen n'a jamais réussi et n'a jamais essayé de garder d'une ses meilleurs joueurs. Et au niveau du recrutement, il n'y a rien eu cette année. J'étais bien planté là cette année. Hein. C'est un truc hallucinant. C'est au niveau du recrutement. J'étais vraiment bien planté cette année. Hein? Cette année, c'est le recrutement, ça n'a pas été. Hein. Vous n'avez pas eu la main heureuse. Parce que la cellule sportive a éclaté cet été. Le recrutement, il n'est pas si mal parce que tu arrives à trouver. Non, écoute ce que je te dis. Tu arrives à trouver des joueurs quand même. Le problème, c'est que tu as pris 4 ou 5 mecs qui ont le même profil. Tu as pris Bamou, tu as pris Crivelli et tu as pris Chukwunte. Les mecs, c'est 3 pivots qui n'ont pas trop de mobilité. Complémentarité. Tu as pris Beauvu alors que lui, tu aurais dû le faire jouer en pointe dès le début plutôt que de le faire jouer sur un côté. Exactement. Donc, sur ton recrutement, tu t'es planté.